Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du site casquevr.com. On est aujourd'hui ensemble pour découvrir le jeu Astrobot Rescue Mission, donc avec l'accent bien français évidemment. Donc un jeu de plateforme développé par Sony Japan Studio et qui est disponible depuis quelques jours à peine en exclusivité sur le PlayStation VR. Alors pour tout vous dire, je n'attendais absolument pas ce jeu. Étant donné que c'était développé par Sony Japan, j'ai quand même récupéré le jeu pour en faire le test. Et quelle surprise! Franchement, je suis très surpris parce que j'avais pas du tout suivi l'actualité du jeu. Et donc c'était vraiment une réelle découverte complète. Donc un jeu de plateforme un petit peu à la Mario, où dans différents niveaux, vous devez collecter des pièces et secourir ces petits bots là. Voilà, tout mignons qui font signe. Qui sont planqués un petit peu partout, on s'attend à les trouver assez facilement. Et comme vous le voyez là, sur le premier niveau du premier monde, il m'en manquait deux. Sur le second niveau, j'en ai raté trois. Et là, donc, on va découvrir ensemble le troisième niveau du premier monde. Donc, vous allez voir la réalité virtuelle dans ce type de jeu. C'est pareil, je n'y croyais pas franchement beaucoup. Et on peut dire que ça a été savamment utilisé. Et du coup, vous allez voir, même si vous contrôlez à la troisième personne le petit astrobot, vous devez également vous-même, grâce à votre tête, faire quelques petites actions. Mais et également vous pencher un petit peu de tous les côtés pour essayer de récupérer toutes les pièces et ne rien louper. Alors regardez là par exemple, en me retournant complètement, je vois qu'il y a des choses derrière. Hop là. Et donc j'y vais avec mon petit bot. Voilà, hop. Donc c'est aussi pour ça qu'on a du mal à trouver certains. Voilà, donc là c'est un des petits bots que l'on doit sauver. Il suffit de le frapper et il arrive dans notre du Hedgehog 4. Voilà, ce qui confirme qu'il est sauvé. Donc comme vous le voyez, il faut vraiment vous tourner à 360 degrés avec le casque et vraiment regarder dans tous les coins. Comme je le disais, j'ai loupé plusieurs personnes. Alors, comme c'est le troisième niveau, on a un petit peu de... un petit tour ensemble, voilà. Donc là, c'est pour frapper les ennemis. Pas très compliqué. Donc là, on va éviter ça. Voilà, ça c'est le point de sauvegarde en fait. Donc là, comme vous le voyez, le chemin principal est par ici. Mais moi, j'ai un petit bonhomme à aller sauver là-bas. Donc grâce à ça, hop là. Évidemment, donc je reviens là. On va laisser passer les deux obus. Hop. Et hop, nous y voilà. Et on sauve le petit bonhomme. Alors on regarde dans tous les coins, apparemment c'est bon, je n'ai rien loupé et on peut avancer. Donc ce n'est pas vous qui dirigez votre vue, ça avance tout seul. Et ça vous place à des endroits prédéfinis, mais qui avancent du coup en même temps que votre personnage. C'est plutôt bien fait, ça vous... parfois ça vous oblige à devoir... retourner, à devoir vous avancer, à devoir regarder derrière des objets avec votre tête. Donc là par exemple vous voyez, en se baissant on voit ce qui se passe en dessous. La petite sauvegarde, hop. Alors on regarde toujours dans tous les coins. Un petit génie. On récupère des pièces, ainsi que la grosse pièce. Bon, est-ce que ça suffit quelque chose? C'est un peu trop tôt. Non. Vous voyez là par exemple des petites pièces
pierre bien placée qui vous oblige à vous déplacer. Hop. Là, voilà, pareil. Alors, comment je fais pour arriver là-haut? Bonne question. Pareil en face, un petit peu dans la tête. Voilà. Aïe. Je suis tombé. Vous allez sauver, mais je suis tombé. Je voulais être un petit peu trop pour moi en pièce. Donc on retourne ici. Hop. J'ai chaud. Voilà, alors ça semble facile du premier coup, mais après il suffit de rien pour que vous mouriez. Je ne veux pas dire que je sois difficile, mais il y a quand même quelques petites subtilités qui parfois vous obligent à recommencer si vous étiez un petit peu trop vite. Et on est, je vous le rappelle, qu'au premier monde. Donc tout ça, ça venait évidemment être un peu plus difficile, j'imagine, au fur et à mesure que l'on avance. Ah, là, c'est quelque chose, voilà. Voilà comment on est arrivé à celui-ci. Vous voyez, je l'avais raté le premier coup, au final j'ai bien fait de mourir encore. Alors là-bas du coup si j'ai des pièces à prendre encore. C'est les potes tout bonnement. Ah ! Je dis que je vais essayer de pas être trop gourmand et au final je me suis. Lui je vais le sauver là. J'aurais pas raté un petit domaine. Ah bah si, je l'avais oublié lui. Comme quoi certains en plus se fondent dans le décor. Et on est reparti. Hop. Par contre les bottes à sauver, une fois qu'ils sont sauvés, on a plus besoin de sauver. Bon, je vais éviter de sauter comme je fais tout à l'heure. Ah, c'est possible ça. Bon, du coup la vidéo elle devient plus pourrie, j'imagine. Hop, hop. Mais au moins je suis plus rapide. Bon allez, cette fois, on espère que ça sera la bonne. Voilà. Bon, on va essayer de pas se faire éclater maintenant. Voilà. Alors, par ici, il n'y a rien. Il y a des grosses pièces là-haut. Donc, comment on fait pour aller là-haut? Hop, on passe par là. Donc, on est vraiment au cœur de la fin. Ça fait vraiment bien. Et alors, moi, normalement, je vais pouvoir rouler juste là-bas. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais c'est bien. Ouais. En fait, je pense pouvoir venir sur le bord, voilà. Et puis, il est fou, je l'ai eu. Alors, par contre, je ne pourrais pas retourner en arrière. Adieu la grosse pièce de là-haut. Tant pis. Ah
Hop là. Oula, oula. C'est une herbe, c'est pas plus mal. Vous voyez ça par contre, j'aurais jamais vu. Tout seul du premier coup. Alors. Est-ce qu'on va y arriver? C'est bon. Ah, bon. Alors, bon, on n'a rien dans le coin, donc il faut que j'aille par là. Je vais prendre la tire. Hop, et hop. Alors, là. Ah, bon, j'ai lâché le poteau. Alors, ah, on peut aller ici, je crois, non? Comment je fais? Il est où, mon dieu? Non? Ah, si, je peux casser la tête sur un jeu, mais on n'en veut pas parler, mais on peut donner des coups de tête. C'est une blague. Oh, on va essayer ça. Allez, hop. Alors, le coup de tête pour compléter. Et je pense qu'il y a un mec à aller sauver là-bas. Alors, j'imagine que je vais devoir éviter. Voilà. Encore avant que je suis dans mon canapé, j'ai pu m'allonger. Alors, un petit décor, un petit nouveau décor sympa. Ah, trop gourmand, mais c'est pas grave. J'étais pas loin de la sauvegarde. Oula, on va s'amuser. Je crois qu'on a terminé le niveau. Hein. Ça aurait été un petit peu compliqué. Oula, je regardais pas. Un peu long. Là, j'aurais dû faire un niveau que j'avais déjà fait. Ça aurait peut-être été un petit peu moins long. Et hop, le drapeau à damier qui signifie la fin du niveau. Voilà, donc ça c'est tous les bots qui ressortent de ma Dioshock 4 que j'ai réussi à sauver. Donc, j'imagine que j'ai dû en oublier. Alors, dernier petit mini-jeu, il faut que je vise le plus d'anneaux possible. Comme si j'utilisais une chose. Alors, c'est parti. Bon, c'est pas trop mal. Et voilà pour ce troisième niveau du premier monde. Vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps. C'est vraiment très sympa. Moi, en tout cas, j'adore. Et je vais continuer avec plaisir le jeu. Ça fait déjà une bonne heure, je pense, que j'y joue. Et je ne me lasse absolument pas. Donc, j'ai très pressé de découvrir
le reste des mondes. Ah, il m'en manque un. Donc j'en ai raté un. Faudra que je refasse dans l'idéal pour avoir le 100%. Donc voilà, donc là, le troisième monde, j'ai débloqué le quatrième et apparemment il y a. Enfin, le quatrième niveau du premier monde et apparemment il y en a cinquième. Et donc ici, en nous retournant, nous avons des défis. Hop, je vais aller voir les défis, j'ai pas encore été les voir. De quoi il s'agit? Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'agit. Apparemment, c'est un défi supplémentaire à faire. Bon, allez, on va rester ensemble alors pour ce défi. Ah, là, c'est un défi chronométré en fait. Très bien. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, go. Ça commence bien. Allez, on recommence. Ah, j'avais pas vu en fait, j'avais déjà rebondi. D'accord, donc il faut faire le défi d'une traite. Alors, une minute pour la médaille d'or. Ça va être compliqué, hein. Alors, excusez-moi si je ne parle pas, mais je suis vraiment concentré. En gros, faut faire, j'imagine, tout d'une traite sans... pour pouvoir prétendre un bon score. Donc genre, les trois rebonds là que je viens de faire, c'est du temps perdu. Comme je connais pas... J'ai pas anticipé l'endroit où je devais aller. C'est plus compliqué. Hop, et voilà, terminé. Je ne sais pas à combien je suis. La minute. Oh là, je... 1 minute 02. Ouh, j'étais vraiment pas loin finalement du premier coup. Pas mal, pas mal. Bon, je vais me le refaire hein, pour essayer de battre la médaille. Pour essayer de battre le meilleur score quand même. Mais nous, on va se quitter, malheureusement, déjà. Et je vous invite à venir d'ici quelques jours sur le site casquevr.com pour découvrir notre test complet du jeu. Mais je peux déjà vous dire que la note sera très belle. En tout cas, merci, et puis à très bientôt. Allez, bye!